Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 29 novembre 2022, 8h17, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Elon Musk, l'enfant chéri de tout le monde avant qu'il décide de défendre la liberté d'expression en achetant Twitter avec son argent de poche. Hein, pendant des années, on vous a dit, euh, Elon Musk est en train de devenir l'homme le plus riche au monde. Avec Tesla, sa voiture électrique, très populaire, qu'on voit partout hein, dans le monde, euh, qui est en train de révolutionner le parc automobile. Ça satisfaisait les médias gauchistes, les élus gauchistes. Hein, tout le monde voulait être vu du côté des activistes avec Elon Musk. Sa fameuse compagnie aussi, euh, hein? Euh, qui envoie euh, les, euh, maintenant les euh, astronautes à la station spatiale, hein? euh, très prolifique, et qui prévoit envoyer probablement les premiers astronautes aussi sur la Lune, et après ça, Mars, a envoyé aussi des satellites partout pour donner accès à tout le monde même dans les coins les plus reculés à l'Internet. Son programme aussi scientifique de Micropus pour aider les paraplégiques ou les gens euh, euh, à motricité mais vraiment réduite, ont fait en sorte qu'Elon Musk était devenu euh, une figure dominante hein, de, de l'ensemble de nos secteurs. Mais Elon Musk a toujours eu en arrière-plan aussi l'idée que l'Amérique, parce que Elon Musk est, un, est, est originaire d'Afrique du Sud, que les États-Unis étaient un pays unique avec une constitution unique, charte des droits unique aussi, qui protégeait la liberté d'expression. Parce qu'on le voit... Le, tout ce qui se passe en ce moment, c'est tragique partout. L'économie est en effondrement total. Les riches n'ont jamais de problème. Les riches n'auront jamais de problème. L'élite n'a jamais de problème. L'élite n'a jamais eu de problème. L'élite de, de nos sociétés. Quand je dis l'élite de nos sociétés, vous comprenez que ça inclut les ingénieurs, les médecins, tous ceux qui sont de la bourgeoisie. La bourgeoisie, d'ailleurs, c'est elle qui a fait les dernières révolutions. Donc, <laughs> c'est à se demander à quoi ça a servi. À s'assurer qu'il n'y a rien qui change, dans le fond, qu'on donne l'illusion du changement. Ça, ça fait. Cette classe de, notre, de nos pays fait partie de l'élite, hein, celle qui fréquente les collèges privés, qui vivent dans les quartiers bourgeois, qui ont hérité de fortune de leurs parents, de leurs arrière-grands-parents, qui, eux, l'ont construite dans l'élite précédente. C'est important de comprendre ça, que ces gens-là ne veulent pas que non plus la société change, parce qu'ils profitent de la société, ces gens-là n'auront jamais de problème. Je ne pense pas que les médecins tombent en chômage demain, que les ingénieurs non plus, quand on voit que nos gouvernements sont devenus des machines communistes à créer de l'économie parce que c'est ça la réalité du monde. Nos gouvernements sont devenus des machines à investir parce qu'on a découvert que c'était Probablement la meilleure façon d'enrichir tous nos amis sans avoir à être confronté avec de la corruption. Parce que tu développes l'économie, tu développes le pays, tu développes les infrastructures. Comprends-tu? Toutes des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Là. Mais ça paraît bien. Et l'élite garde le contrôle de tout l'argent qui est collecté par le gouvernement et il envoie à qui veut bien, à qui on veut bien l'envoyer. On envoie des miettes aux petit peuple et on envoie les gros morceaux aux gros amis. Et naturellement, le gouvernement qui est l'appareil de l'élite par excellence, son espèce de guichet automatique, sa machine à imprimer son argent, ben va bien traiter et a pris en charge le secteur de la santé, le secteur de ceci, de, la, de cela, ce qui fait en sorte que toute cette élite médicale, d'ingénieurs, de toutes sortes de spécialistes que tu peux imaginer, de hauts fonctionnaires, de fonctionnaires, ont des emplois assurés et un confort assuré pour le restant de leur jour. C'est certain que ces gens-là ne veulent pas d'une révolution ou de changement. Ceci étant dit, la plus grande menace maintenant, quand tu regardes tout ça, bon, il y a la menace climatique, mais qui est cyclique. Si tu regardes l'histoire géologique de la Terre, il y a des périodes vraiment difficiles qui ont eu lieu. Il y a 10 000 ans, il faisait 7 ou 8 degrés de plus. Le détroit de Béringer a fondu. Des populations ont suivi les troupeaux pour s'en venir dans euh, l'Arctique. Ça a regelé. Il y a eu le « young dryas », le « jeune dryas » où soudainement il y a eu un événement il y a 10-12 000 ans, c'est cet événement-là probablement qui est arrivé, qui a transformé l'ensemble du climat de la planète. Après ça, tu as toutes sortes d'autres événements, des cataclysmes, mais ça, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Il faut que tu passes à travers. Maintenant, avec le développement des réseaux sociaux, de la technologie moderne, on s'est retrouvé avec des gens comme vous et moi, qui sont devenus des voix euh, publiques, parce qu'on a eu accès hein, à se créer une chaîne YouTube ou des plateformes et avoir accès à un vaste public. Puis des gens se sont intéressés à ton propos, à mes propos, à ceux des autres. Et c'est devenu un vaste euh, endroit, hein, les réseaux sociaux, que tu parles de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram et plein d'autres. Qui se sont développés, euh, public, un endroit public ou une espèce de forum public, où on pouvait, du côté des gouvernements, surveiller tout ce qui se disait. Les fils de presse officiels, nos médias traditionnels qui sont des corporations multimilliardaires, j'aimerais vous le rappeler, les médias, c'est pas une œuvre de charité. Ils ne sont pas là pour le bien de la nation, le bien de la population mondiale, mais ils sont là pour faire de l'argent. Ils sont là pour s'assurer, parce que ça fait partie, c'est l'outil ultime de l'élite pour le contrôle de l'individu via les arts, via la musique, via le cinéma, via l'information, via l'actualité et tout ce que tu peux imaginer. Ces gens-là, pendant longtemps, avaient le monopole de l'information. Tu n'avais pas vraiment accès. Il fallait que tu fasses vraiment des recherches de moines pour avoir accès à quelque chose d'autre que le message officiel. Comme dans les pays qu'on appelait hein, totalitaires et communistes, qui avaient des médias, les autres, ils ne pas, c'était des organes gouvernementaux. Ici, c'est camouflé. On donne l'impression que les médias sont indépendants du gouvernement et du système, alors que c'est complètement faux. Mais là, ils sont exposés. Ils ont été attaqués, ils ont perdu beaucoup de revenus, parce que beaucoup de cet argent de revenus est allé vers d'autres euh, médias, comme les réseaux sociaux, et on est venu gruger l'argent, et ça, on n'aime pas ça, se faire enlever notre argent, et on n'aime pas ça, se faire enlever notre contrôle de l'information non plus, mais avant tout l'argent. Et là, on est revenu avec une bataille, ça fait des années que ça se construit, cette bataille-là, pour... Discréditer tous ceux qui ne pensent pas comme eux et reprendre de force avec des, des règlements et des lois qui ont été passés par nos gouvernements, autant en Europe qu'au Canada qu'aux États Unis, pour censurer et enlever et éliminer beaucoup de ces gens là, beaucoup de ces plateformes là, pour ramener l'argent d'abord et le contrôle de l'information. Et ça, c'est probablement la plus grande menace contrôle de l'information. L'argent, l'argent c'est l'argent, il y a toujours de l'argent, puis il y en aura toujours, là. Euh, puis tu peux toujours trouver de l'argent si tu en veux, mais la liberté d'expression, ça quand elle est enlevée par un gouvernement, par un, un système, c'est très difficile de la retrouver, cette liberté-là. Et ça, c'est la plus grande menace à laquelle on a à faire face. Tu le vois en France, tu le vois en Europe, tu le vois au Canada, tu le vois aux États-Unis. Le gouvernement a mis son nez dans... L'opinion sur ce que tu es en mesure de dire, autorisé à dire et ce qui est interdit. Comme dans les pays dont on identifiait ces systèmes-là comme totalitaires et méchants communistes à l'époque. C'est exactement ça dans ce piège que nous, les populations, sommes tombés en laissant aller, puis avec le je m'en foutisme individualiste dans lequel on vit. Tu te retrouves maintenant avec des gouvernements canadiens, québécois, américains, français et d'ailleurs en Europe, presque la plupart des pays, en train de mettre son nez et leur nez dans le contrôle de l'opinion. Donc, on a sombré dans le totalitarisme. C'est certain qu'il faut que tu aies une limite dans le, 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 le dans ce que tu peux dire sur des réseaux sociaux. Mais de juste questionner la science, questionner la politique, questionner un gouvernement, questionner des politiques, ce n'est pas du discours haineux, ce n'est pas euh, quelque chose que le gouvernement devrait contrôler. Et c'est ce qu'il se passe exactement au moment où on se parle. Et c'est très grave, et la plupart des gens ne se rendent pas compte de ça. Les médias sont là euh, à donner des leçons de moralité sur tout et rien pendant qu'ils sont en train d'installer le totalitarisme. Ils sont en train de valoriser tout ce qui est à gauche, socialisme. Les pires politiques, d'ailleurs, viennent toutes de la gauche et du socialisme. Tu as juste à aller voir le résultat de ces pays-là, comment les populations vivent et comment elles veulent se sortir de là et se sauvent de ces systèmes. Complètement injuste et qui vont à l'encontre de la nature humaine, pour te rendre compte que c'est de la folie. Mais on veut t'amener dans la misère et dans le contrôle. Et comment tu fais ça? C'est avec le socialisme via le socialisme et la gauche. Ce qui se passe au Brésil en ce moment, il n'y a personne qui en parle. Des millions et des millions et des millions de Brésiliens sont dans les rues depuis l'élection, depuis des semaines pour crier leur rage face à un système qui semblait être un petit peu corrompu électoral, ou en tout cas vicié. Et paf, aucun, aucun, aucun rapport journalistique là-dessus. Aucun. Des millions et des millions de Brésiliens, depuis des semaines, crient leur rage au fait qu'on a imposé un ancien criminel, Lula, qui a été condamné par des juges, qui n'étaient pas des juges nommés par Bolsonaro, qui étaient des juges qui étaient installés bien avant que Bolsonaro pense même à la politique. Et on a, avant l'élection, un peu communié sa peine avec d'autres juges, ceux-là, corrompus, pour ramener Lula en campagne électorale pour essayer de comme, moraliser un peu les Brésiliens. Et justifier hein, le résultat de l'élection avec un loulard. Mais les gens, et il y a des choses qui se sont passées, et les gens ont complètement perdu confiance et sont frustrés de se retrouver avec un gauchiste condamné à 15 ou 20 ans de prison pour corruption, qui a fait à peine 500 jours de prison. Et on a communié sa peine et dans la Constitution, on l'a changé au Brésil parce que c'est interdit pour un candidat d'avoir un dossier criminel et d'être un criminel ou ex-criminel de se présenter à quelque élection que ce soit. Et on leur a ramené un criminel. On leur a imposé un criminel. Et. C'est des millions et des millions et des millions de Brésiliens qui, en ce moment, n'entendent rien des médias. Rien. Quand les gauchistes perdent, de remettre en question le résultat d'une élection, c'est correct. Puis tu en entends parler, puis on en parle, puis on en parle. Mais si quelqu'un de droite perd une élection, c'est un crime de penser que. Une élection aurait pu être organisée, ou en tout cas, sans est organisée, qu'il y a eu des. Euh, disons, euh, malfonctionnements du système électronique. Et t'entends parler de rien. Alors que des. je ne sais pas, moi, c'est les plus grandes manifestations de l'histoire de l'humanité en ce moment. Et il n'y a personne qui en parle. Je vais essayer de vous trouver le lien de, de ça. Vous ne bougez pas. On va l'écouter. Justement, un journaliste qui fait un rapport de ça, euh, je l'ai écouté ce matin. Et euh, c'est fascinant de voir qu'il y a absolument, absolument rien qui se dit là-dessus. Laissez-moi voir si je peux le trouver. Je pense que je l'ai. Laissez-moi ins un instant pour... what is la OK je l'ai criminal and recall so there are protests underway across the country there are reports tonight from investigative journalist Matt Turman that the Brazilian military stands with the incumbent president. Donc on apprend aussi d'un journaliste qui est allé là on va on va entendre son entrevue avec Tucker Carlson hier que l'armée se serait derrière Jair Bolsonaro parce qu'on voit qu'il y a peut-être des irrégularités comme on dit. Jair Bolsonaro. Matt Turman joins us tonight Matt thanks so much for coming on. I know it's a complicated situation c'est Matt Turman. Journalist d'enquête. Situation, but I, you follow this as closely as any English speaker. How would you summarize it? Comment résumeriez-vous la situation au Brésil en ce moment Écoutez ça. Well, right, C'est 29 mass... le 29e jour de, de manifestations massives. Mass These protests in Brazil, a democratic country with free elections, avec, dans un pays démocratique avec des élections libres. And we're talking not tens of thousands or hundreds of thousands, but... on ne parle pas de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de manifestants, et quand ça va être tout analysé, c'est des dizaines de millions qu'on va avoir découvert, qui manifestent en ce moment. C'est peut-être la plus grande manifestation humaine de toute l'histoire de l'humanité, nous dit Matt Thurman, qui était là. And the media is on this. Et les médias corporatifs sont silencieux là-dessus. It is totally being memory in real time. Uh, but the people are very clear. They do not want to be uh, led by a convicted criminal and... Donc les brésiliens veulent pas être dirigés par un criminel. Recall Lula da Silva was convicted in three separate courts of 12... Donc il a été condamné dans trois cours différentes Lula da Silva. charges by 19 judges unanimously, not both... Par 19 juges Unaniment, puis c'était pas des juges qui étaient nommés par, par Bolsonaro. Bolsonaro appointees. This was years before Bolsonaro, and his judicial appointees in the Supreme Court had freed him. In the et c'est et les et les juges que Bolsonaro a lui-même nommés ont libéré Lula da Silva. Last two years, just so he could run in this race, and they pour puissent, euh, se présenter dans cette course là. He annulled and vacated his multiple sentences, 12-year sentence, 580 days he served. They left. Il a servi 100, 500 jours en prison. Il était condamné à plus de 12 ans de prison. And... Et il y a personne. Il y a une loi qui dit qu a aucun citoyen qui a été condamné qui peut servir comme élu. They that. They absolutely... Ils ont tout oublié ça puis ils ont tout changé ça. Donc ils ont mis da d'assileurs pour pouvoir contrôler le résultat de l'élection. All the people in mass are foul. Even in the districts where he supposedly has a stronghold. Maintenant dans le coin le district où apparemment il y avait une grande popularité d'Assilva. They the Amazon with indigenous peoples, they're marching on Brasilia. Ils marchent eux aussi sur Brésiliens. Every city in the country is filled with protesters and now... toutes les villes dans le Brésil sont remplies de manifestants. Now, the question is what is to be done when you have a judiciary that is not comprised of judges in the classical sense, impartial, non... Donc vraiment vraiment fascinant, c'est extraordinairement inquiétant aussi ce qui se passe. Donc ça te donne une idée et tous nos gouvernements criquaient là-dessus aussi, silencieux. parce que naturellement Da Silva, c'est le gars de la gauche, corrompu comme tous nos politiciens, qui va s'accoquiner avec la Chine. Et ce qui se passe en Chine, c'est tragique ou c'est criquet silence de nos médias, des manifestations historiques aussi là-bas, puis des populations qui sont massacrées. Et tu te retrouves dans cette situation-là, où il n'y a personne, personne, qui semble intéressé par le sort de la population mondiale parce qu'on veut imposer maintenant notre élite est sortie du placard et a plus de gêne parce qu'elle est toute armée de ces médias, de l'argent, du pouvoir, de l'ONU, de toutes les organisations qui sont toutes corrompues, toutes coquiner ensemble dans ce ce scan de la gauche, et là, ils sont tombés en complète hystérie, comme on dit en anglais, en meltdown, parce que Elon Musk a acheté Twitter. <laughs> et il a dit, si la liberté d'expression est perdue en Amérique alors qu'il se prépare à publier des dossiers, que Twitter a, naturellement, parce que lui, maintenant, comme il l'a acheté, Twitter a des dossiers qui démontre comment et pour quelles raisons et avec qui on est associé pour censurer toutes les informations qu'on a décidé de censurer depuis un bout de temps chez Twitter, donc tu pourrais extrapoler puis penser à toutes les autres plateformes qui sont toutes de connivence là-dedans. Et il dit que c'est la bataille pour l'avenir de la civilisation et il a raison. Et c'est pour ça qu'on l'a démonisé alors qu'on l'a tellement glorifié jusqu'à ce qu'il décide d'acheter. Twitter, un petit peu comme Donald Trump qui était adoré par les rappers, adoré par tout le monde, jusqu'à ce qu'il décide de se présenter en politique et exposer l'establishment parce que l'establishment est un groupe de gens corrompus et des médias qui sont toujours en train de raconter n'importe quoi et faire de la propagande au lieu de rapporter des nouvelles équitablement. Et c'est pour ça qu'il les a qualifiés de « fake news », un terme qui est devenu Mondial. Elon Musk est dans le même sillon. L'homme adulé de tous, avec toutes ses, euh, ses entreprises, il soudainement devient le vilain identifié par les corporations. Et là, ce qui était le plus drôle, c'est qu'il est tout en train de réorganiser Twitter. Twitter, qui était avec des milliers d'employés qui se traînaient les pieds, qui buvaient du vin, mangeaient du sushi pendant qu'ils bannissait les gens des réseaux sociaux, fait aucune utilité, les a tous mis à pied, parce que lui il a acheté une compagnie de son, avec son argent de poche, puis c'est une entreprise privée maintenant, un plus sur la bourse. Il faut que ça soit rentable. Donc il a congédié des milliers et des milliers d'employés qui font rien, qui faisaient rien. Et là, la gauche, les médias gauchistes se sont toutes empressés de, de dire à, à, à leur public que Elon Musk était en train de... Détruire Twitter, en train de mettre Twitter en faillite, alors qu'il est en train de réorganiser l'entreprise pour la rendre rentable, parce que Twitter n'était pas rentable. Pendant ce temps-là, tu as Facebook la semaine dernière qui a mis des dizaines de, des dizaines de milliers de personnes à pied. Et tu n'as pas les médias gauchistes qui ont dit Mon Dieu, Zuckerberg est en train de détruire Facebook en mettant des dizaines de milliers d'employés de, à pied. Amazon a mis des. Dizaines et des dizaines de milliers d'employés à pied aussi la semaine dernière. Tu pas eu la gauche, les médias gauchistes qui se sont tous en, en, euh, euh, en, empressés de dire à leurs à leur lecteurs et leurs auditeurs que Oh, Jeff Bezos est en train de détruire Amazon. Et là, ils sont offusqués parce qu'un petit riche a acheté Twitter. Ça ne les dérange pas que Jeff Bezos soit le propriétaire du Washington Post ou que les Murdoch soient propriétaires de Fox News ou euh, d'autres de CNN, mais que Elon Musk, oh, un petit riche, soit propriétaire de Twitter, oh, ça, ça les dérange. Donc, imaginez-vous, il est en train de réorganiser Twitter, il a même demandé aux employés de Twitter, vous allez revenir travailler euh, en présentiel, c'est fini le, la, la pandémie, puis la, la, la fête est terminée, là. ceux qui veulent travailler pour Twitter vont venir travailler au bureau. Donc, il est en train de mettre de l'ordre, il est en train de. Pensez-vous vraiment que quelqu'un qui a dépensé 44 milliards pour acheter quelque chose qui ne marche pas, ne va pas s'arranger pour que ça marche quand toutes ces autres entreprises sont toutes des succès et que les mêmes médias ont vanté Elon Musk et ils l'ont mis partout pendant des années jusqu'à ce qu'il décide d'acheter Twitter? Et là, il dit Moi, je vais publier tous les dossiers que j'ai qui ont mené à la suppression de l'histoire du, du fameux euh, portable de Hunter Biden qui s'est avéré vrai, tout le monde était obligé de l'admettre, même le Washington Post, le New York Times, tout le monde. Mais deux ans après l'élection, mais pendant l'élection, on a dit que c'était de la désinformation russe, des fake news, qu'on a banni tous ceux qui voulaient partager cette histoire-là. Moi, je suis ni d'un côté ni de l'autre. Je fais juste vous ramener en pleine vue ce qui se passe. Dans toute cette frénésie, cette folie, le perdant, c'est qui C'est toujours le petit. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde de notre euh, troupeau de moutons. Autant au niveau économique qu'au niveau de la liberté d'expression. Tu vas te retrouver coincé, puis tu vas te retrouver contrôlé, puis tu ne pourras plus jamais t'en sortir. Et là, tu as Elon Musk qui a dit, non, ça, ça ne peut pas continuer. Et là, il est venu mettre un frein à ce monopole de tyrannie. Et ça, ça fait suer tout le monde. Et alors que tu peux continuer à être gauchiste, socialiste, communiste, si tu veux, tu peux continuer à adorer Kim Jong-un, parce que je sais que les gauchistes sont comme ça. J'envoie des messages, j'en reçois. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de voir un psychiatre, là. Mais que tu sois pour pro-Kim Jong-un, mais que tu penses que c'est la réincarnation de Jésus-Christ, puis que Fidel Castro, c'est probablement euh, la réincarnation de Saint-Pierre. Tu peux continuer à penser ça, mais tu dois être du même côté que tout le monde pour défendre la liberté d'expression. Parce qu'un jour, ça va être ton tour. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est que tu dois absolument être capable d'entendre ce que tu ne veux pas entendre. Tu dois être capable de survivre au supplice de l'eau bénite. Tu dois être plus fort que Dracula qui reçoit deux, trois gouttes d'eau de, bénite du curé puis qui il se met à brûler parce qu'il est incapable de supporter l'eau bénite. Il faut que tu sois capable de supporter ce que tu n'aimes pas entendre, c'est-à-dire la contradiction. Et c'est ça qui est le fondement de la démocratie, le fondement de la liberté d'expression c'est que tu sois capable d'entendre la Contradiction de tes convictions sans que tu sois obligé de partir en croisade pour assassiner publiquement la liberté de tout le monde. Ça, c'est important de comprendre ça. Puis je voulais vous passer ce message-là parce que, au moins, tu un de ces riches personnages qui s'est dit ça n'a plus, plus de sens. Il faut absolument que la liberté revienne. Il faut qu'on soit capable de redialoguer. De se redébattre dans des contradictions sans que le monde, se, les petites natures de la gauche se mettent à instaurer la tyrannie partout. C'est vraiment important de comprendre ça. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description, ces deux liens-là. Mais pour ce qui se passe au Brésil, moi, je ne comprends pas le silence. Ce qui se passe en Chine, le silence. Des... Donc, tu vois, la complicité de notre élite qui s'est accoquinée avec la Chine pour étendre la tyrannie chinoise. Cet exemple là, d'ailleurs, faut pas que tu oublies toutes nos grandes entreprises, tous nos gouvernements sont installés en Chine. Et que c'était depuis longtemps le plan global de toute l'élite de nous amener dans la tyrannie de la Chine. C'est la Chine qui domine l'idéologie et indi indirectement l'économie aussi. Et ça va être fascinant de voir ce qui va nous arriver dans les semaines à venir. Tu vas voir que ça va aller vite, semaine et mois, comment ta vie va se transformer, pas pour le meilleur, mais pour le pire.